Bonjour tout le monde. Voici mon pronostic public de la semaine. Donc, c'est le pronostic que j'offre publiquement cette semaine pour remercier, pardon, ma communauté, pour vous remercier de me suivre et aussi pour vous aider dans vos analyses et vous montrer comment j'analyse mes matchs et mes paris. Alors, le pronostic que je partage publiquement se passe en première ligue ce samedi à 16 h dans le match Manchester United Norwich. Alors d'abord, on jette un œil sur Flashscore. Mon pronostic pour ce match, c'est match nul avec Manchester United remboursé. C'est-à-dire que si Manchester United gagne le match, je suis remboursé de ma mise, donc je ne perds pas d'argent, je ne gagne pas d'argent. Si c'est match nul, je gagne de l'argent. Si Norwich gagne le match, alors je perds ma mise. Okay, donc c'est un pronostic, un pari sécurisé, match nul avec équipe à domicile remboursée. Alors, si je m'intéresse d'abord au classement général, et que je regarde la performance de Manchester United, d'abord dans le général, donc Manchester United est cinquième. Si je regarde son classement à domicile, Manchester United reste cinquième. Mais très intéressant, c'est que Manchester United est assez solide à domicile. Okay. Car Manchester United a perdu un seul match cette saison sur les 10 matchs à domicile. Pourquoi je regarde cette statistique-là? Eh bien parce que c'est la défaite de Manchester United qui me ferait perdre de l'argent. Or, je vois que Manchester United a perdu un seul match cette saison à domicile. Au niveau de l'attaque, Manchester United a inscrit 20 buts à domicile et encaissé 10 buts. Okay. Si on regarde donc l'attaque, 20 buts, eh bien c'est une des meilleures attaques du championnat. Hein. Okay. Je retire Liverpool et Manchester City qui sont des extraterrestres. Si je retire ces deux équipes-là, pardon, eh bien Manchester United est la deuxième meilleure attaque, hein, juste après Tottenham. Okay. Avec 2 buts inscrits par match. Donc, niveau de l'attaque, très positif pour Manchester United. Ensuite, je m'intéresse à Norwich. Norwich à l'extérieur. Donc, d'abord, au général, Norwich est dernier. Bon dernier, 20e. À l'extérieur, Norwich reste dernier. La victoire de Norwich me ferait perdre de l'argent. Or, je vois ici que Norwich, cette saison à l'extérieur, n'a gagné aussi qu'un seul match sur les 10 matchs à l'extérieur. L'attaque est très très mauvaise. 5 buts inscrits, c'est simple, c'est la pire attaque du championnat. Donc c'est aussi la 20e attaque du championnat à l'extérieur, avec 0,5 buts par match. Donc on va dire 1 but tous les 2 matchs inscrits. Au niveau de la défense, la défense en fait encaisse en gros 3 fois plus de buts que ce que l'attaque inscrit. Donc voilà, donc là, il n'y a pas vraiment photo. On voit que tout est en faveur de Manchester United. Okay. Pour rappel, ce n'est pas grave si Manchester United gagne ce match. Je suis protégé, je ne perds pas d'argent, c'est le principal. En cas de match nul, ça me rapporte de l'argent. Et alors, il faut que Norwich gagne. Donc, Norwich gagne pour me faire perdre ce pari. Au niveau des face-à-face, pardon. Alors, face-à-face, ok, bah, clairement en faveur de Manchester United, hein, au niveau de l'historique, ok, vu que Norwich a gagné une seule fois à Manchester United en 2015. Et le reste du temps, Manchester United a toujours gagné. Attention néanmoins, un point positif dans le sens de Norwich, c'est-à-dire au niveau de la récupération, okay, au niveau des journées de récupération. On voit que le dernier match de Norwich a eu lieu le 4 janvier, alors que le dernier match de Manchester United a eu lieu le 7 janvier, donc 3 jours de récupération en plus pour Norwich. Okay. Ça peut jouer aussi, hein, à un certain degré. Alors ici, moi j'aime ensuite regarder évidemment pas seulement le classement général ni le classement à domicile ou extérieur, mais j'aime regarder
tous les résultats de l'équipe. C'est-à-dire, je clique sur les résultats de Manchester United à domicile. Hein, donc ici, la colonne de gauche, ce sont les résultats de Manu à domicile. Pour rappel, Manu a perdu un seul match. Ok, c'est ce qui me fait perdre de l'argent. Un seul match. Okay, donc je suis assez, on va dire, c'est assez certain, même si aucun pari n'est certain, mais je veux dire, il est plus probable que Manchester United perde ce match. Okay. En fait, ce match a été perdu en tout début de saison en plus. Okay, le 24 août. On peut se dire que depuis, Manchester United a rectifié le tir à domicile. Si je regarde Norwich, Norwich qui est 20e, donc voilà. Ces matchs à l'extérieur sont dans la colonne de droite. On voit que Norwich a gagné un seul match à l'extérieur et en déplacement chez le 11e. Et donc une équipe de niveau inférieur à Manchester United. Donc voilà. Je pense que j'ai tout dit. Donc pour rappel, le pari que je vais placer, c'est match nul avec Manchester United remboursé. Comment j'effectue cela? Je vais sur Betfair via Orbit X pour ceux qui habitent en France ou en Belgique. Je vais chercher mon match. Voilà. Et je construis le pari que je viens de vous dire. Comment je le construis? Disons que je mise 100 euros. OK. Ma mise, c'est 100 euros. Alors, je place une première mise sur Man United. Comment je calcule la mise? Je divise 100 euros par 1,38. Ça me fait 72,46. Et ensuite, le reste de ma mise, évidemment, je le place sur le match nul. Donc, j'ai dépensé déjà 72,46 euros. Il me reste 27,54 euros à placer sur le match nul. Donc on voit bien ici, si Manu gagne, eh bien je suis remboursé de ma mise, hein, donc ni gain ni perte. Si Norwich gagne, je perds 100 euros. Si c'est match nul, je gagne 57 euros. Donc voilà, ça équivaut en fait à une cote de 1,57. Mais attention, n'oubliez pas. C'est une cote de 1,57. Ça peut paraître bas pour certains, même pour moi, puisque moi je travaille autour de 2. Mais attention, c'est un pari sécurisé. Donc il faut comparer ce qui est comparable. Ne pas comparer un pari sécurisé avec un pari non sécurisé, comme un pari en victoire sèche ou un pari en plus de 2,5 buts. C'est incomparable. Quand un pari est sécurisé, donc surtout quand en fait la sécurisation se fait au niveau de l'événement le plus probable, eh bien il faut accepter de travailler avec des cotes plus faibles. Donc voilà mon pari pour ce samedi dans le match Man United Norwich. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien laissez-moi un pouce, partagez cette vidéo avec vos amis. Au niveau de ce pari, bah, dites-moi ce que vous pensez. Dites-moi quel est votre pari pour ce match-là. Okay. Dites-moi si vous êtes d'accord avec mon pari ou pas. On a le droit d'avoir plusieurs avis. Ensuite, dites-moi quel pari vous placeriez. Alors pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo, eh bien, dans la description de cette vidéo, vous allez trouver un lien qui vous envoie vers un bonus gratuit. Ok, un bonus gratuit. Donc c'est un e-book qui est totalement gratuit dans lequel je partage quatre gros conseils. Ok, quatre conseils pour parier comme un pro. L'e-book s'appelle Les 4 secrets d'un parieur pro. N'hésitez pas à le télécharger. Vous n'avez rien à perdre. Merci et à bientôt.